Allez, maman. Allez, debout. Bon, maman. Allez, maman. Voilà, vous êtes ici pour participer à cette marche. D'abord, la première motivation de participer à cette marche, c'est quoi? C'est pour que le Congo aille mieux, que les Congolais aillent mieux surtout, parce que je pense qu'on est dans un pays libre et indépendant et qu'on a des droits et des devoirs pour ces pays-là. Les droits et les devoirs. Alors l'annulation, l'interdiction de ces concerts, ça montre quoi pour vous? Ça montre que les Congolais sont déterminés à avoir leur bonheur, à avoir leur... Je me coupe là. Excuse-moi, je voulais te dire au revoir. Mais oui, mais c'est bien. Mais tu fais quand même. Tu sais faire la télé quand même. Tu exagères quand même, bon sang. Non, viens. Mais vous êtes pas une radio. Non, mais c'est pas possible. C'est un homme politique, vous voulez faire la caméra comme ça. J'ai jamais vu ça. Non, alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ce que je pense de tout ça, que les Congolais sont déterminés à faire leur bonheur, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas attendre que quelqu'un d'autre fasse leur bonheur. C'est tout simplement ça. Les Congolais doivent se prendre en charge. Donc, ils ont des revendications, donc on doit les écouter. Et voilà. Moi, je suis artiste, hein, donc... voilà. Donc, je pense que c'est une déclaration, une demande légitime. Merci à vous, maman. Je vais braquer la caméra. Restez comme ça, restez comme ça. Restez comme... Restez. Il y a la famille avec nous ici, mesdames et messieurs, voilà, il y a la famille, il y a les enfants. Monsieur, vous ramenez vos enfants pour la marche, dites-moi, c'est pourquoi? Bon, en fait, je suis Congolais, donc si on est là, c'est pour manifester notre victoire entre guillemets. Donc voilà, les concerts des JMP a été annulé, donc c'était suite aux pressions que nous avons exercées auprès des autorités françaises, notamment la préfecture. Donc voilà, la décision est tombée, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Donc si on est là, je suis venu avec toute ma famille, donc ça démontre à quel point donc, nous sommes attachés à ces pays. Donc tout ce qui se passe au Congo, donc voilà, nous qui sommes ici à l'extérieur, donc c'est notre devoir de pouvoir exercer ces genres de pression pour qu'au niveau de Kinshasa, donc au niveau du Congo d'une manière générale, les gens aussi puissent savoir que bien que nous nous trouvons à l'extérieur, nous sommes de cœur avec eux. Donc voilà, c'est une manière pour moi de pouvoir contribuer donc à ces processus. Vous êtes parisien? Oui, je suis parisien, bien sûr. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.